Salut, aujourd'hui je te propose de voir une chanson de Howlin' Wolf qui s'appelle Who's Been Talking. Alors c'est un blues en mi mineur, c'est une progression standard en 12 mesures avec un groove un peu blues rumba, donc c'est très sympa à jouer. Aujourd'hui je te propose de voir la version de Robert Cray, donc elle est un tout petit peu plus lente et surtout la partie guitare rythmique est bien définie par rapport aux autres versions. Mais la version que je te montre aujourd'hui, tu vas pouvoir également la jouer sur les autres versions, par exemple Lucky Peterson ou Howlin' Wolf. En fin de vidéo, on va se servir de ce riff que je vais te montrer dans un instant, et on va s'en servir pour faire un exercice très intéressant pour l'improvisation, et on va travailler un petit peu les questions-réponses, tu vas voir, ça va être sympa. Si tu veux télécharger la tablature, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, et je te montre le riff tout de suite. Alors avant de commencer, je vais te montrer la grille. Donc c'est vraiment une grille standard de blues mineur 12 mesures, mais je te la montre au cas où. Donc on va avoir 4 mesures de notre premier degré qui est mi mineur. Ensuite 2 mesures de notre quatrième degré qui est la mineur. Ensuite 2 mesures de mi mineur. Une mesure du cinquième degré qui est si mineur. Une mesure du quatrième degré, la mineur, et on termine avec 2 mesures du premier degré. Après, le riff, il va se composer de 2 choses. On va avoir une partie en single note qui va être répétée une mesure sur 2, et une mesure sur 2, on va plaquer un accord. Donc on va avoir que 2 accords, on va avoir le mi mineur, donc qui est très simple, c'est vraiment le mi mineur de base, et le la mineur, donc on va le jouer comme ça sur les 4 cordes aiguës. Alors 7e case, corde de Ré, et un petit barré sur les 3 cordes aiguës en 5e case. Donc c'est comme si on jouait le La mineur comme ça, hein, tout simplement, sauf qu'on garde que les 4 cordes aiguës. Donc ça va être nos 2 accords qu'on va jouer, et on va alterner ces 2 accords avec ce petit lick en single note. Donc ce petit lick qui se situe dans la 4e position de la pentamineure mineure. Donc c'est bien de repérer ça, et ça va être tout simplement, on va avoir un hammer on de la 7e case à la 9e case en corde de Ré, et on va jouer la 7e qui est sur la 7e case de la corde de Sol, et on répète ça. Alors l'approche ici, tu peux faire soit un hammer on, soit un slide, ou rien du tout si tu veux. Mais tu peux aussi mélanger les 3, tu vois, tu peux choisir des fois faire un slide, des fois un hammer on, c'est bien de varier un petit peu. Et aussi cette note, il va falloir la piquer, tu vois, on veut pas qu'elle résonne, on veut pas faire, voilà, on veut plutôt cet effet. Alors on a notre petite phrase en single note et on a nos 2 accords. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à suivre la grille avec ces 2 éléments. Donc comme je te disais, on va alterner une fois la phrase en single note et une fois en accord, tout en suivant la grille. Donc il n'y a que les accords qui vont changer. Donc par exemple, pour les 4 premières mesures, on est en mi mineur. Donc on va alterner première mesure, la phrase en single note. Deuxième mesure, l'accord de mi mineur. Troisième mesure, encore la phrase en single note. Et quatrième mesure, le mi mineur. Donc ensuite, pour les 2 mesures qui suivent, donc les mesures 5 et 6, on va être en La mineur. Donc 5e mesure, on va faire la phrase en single note. Et 6e mesure, on va faire l'accord de La mineur. Ensuite, pour les mesures 7 et 8, on revient en Mi mineur. Ensuite, on arrive sur le turnaround, donc mesures 9 et 10.
Donc l'harmonie elle fait comme ça, mesure 9, si mineur, et mesure 10, la mineur. Mais pendant que l'harmonie elle est sur le si mineur, nous on fait le riff, du coup on n'a même pas à jouer le si mineur. C'est la basse et la section rythmique qui s'en occupe. Et c'est ça qui est intéressant dans ce morceau au final, c'est que on a ce petit riff qui change très peu, et derrière il y a l'harmonie qui continue, et ça fait un contraste assez intéressant. Bref, mesure 9, on a... Et on tombe directement, mesure 10, sur le La mineur, donc... Et on termine, Mi mineur. Et là, 12e mesure, on plaque l'accord de Mi mineur, mais on le fait en piqué, tu vois. Parce que c'est une mesure vide. Si tu écoutes la version de Robert Cray, en tout cas, je me souviens plus sur les autres versions, mais sur la version de Robert Cray, il plaque juste l'accord, et à chaque fois, quand on arrive sur la 12e mesure du morceau, c'est une mesure à vide. Donc il n'y a que le premier temps qui est joué, et tu vas juste plaquer l'accord et t'arrêter. Alors je te rejoue tout ça une fois en entier. Donc tu vois, c'est vraiment pas très compliqué, ça sonne super bien. Et tu peux aussi t'amuser à jouer ça sur les versions de Howlin' Wolf et Lucky Peterson, comme je te disais. Donc les grooves sont un petit peu différents, et les tempos aussi, je crois que c'est des versions un petit peu plus rapides. Mais ça peut être marrant de jouer ça aussi sur ces versions-là. Donc maintenant, je te montre le petit exercice pour l'improvisation, pour travailler les questions-réponses. Donc ça va consister à repérer... la petite phrase en single note dans une position. Donc je te propose de commencer par improviser en première position, donc on va être en 12e case, et on va repérer cette petite phrase dans la première position. Donc elle fait comme ça, elle se situe en fait sur les cordes de La et de Ré, et une fois qu'on a repéré ça, bah on va tout simplement alterner ce petit riff. Et au lieu de plaquer les accords, on va improviser dans les mesures vides. Donc, tu vas voir, c'est assez compliqué. Et des fois, tu vas vouloir continuer ta phrase. Et tu as le droit au final. Mais l'important, ça va être de retomber sur tes pattes et de ne pas faire une phrase qui va durer 5-6 mesures. Donc, même si tu rates une fois la mesure où il y a le riff, c'est pas grave. Essaye de reprendre la fois d'après. Et en fait, l'intérêt de cet exercice, c'est que ça va t'obliger à suivre la grille, à écouter où tu es sur la grille par rapport à l'accompagnement. Et ça va t'obliger aussi à faire des phrases avec un début et une fin, ce qui est le plus gros défaut souvent quand on commence l'improvisation, c'est qu'on fait des phrases sans début et sans fin. Donc là, ça va t'obliger à rester dans les clous un petit peu. Donc je te fais un petit exemple. Donc tu vois, à la fin, de temps en temps, j'ai laissé passer une mesure du riff où j'ai continué l'idée sur laquelle j'improvisais. Donc ça me permet de faire des phrases qui durent plus d'une mesure. Mais il faut essayer de retomber de temps en temps sur les bonnes mesures où il y a le riff. Ensuite, tu peux faire la même chose. Tu peux repérer ça dans toutes les positions, par exemple en... pareil, la première position, mais en corde à vide, ça peut être sympa.
etc. Et tu peux repérer ça dans toutes les positions. Deuxième position. Troisième position. Quatrième position. Donc ça, c'est notre position de base. Ensuite, cinquième position. Et tu t'amuses à faire ce même exercice, position par position. Et c'est un exercice qui va vraiment t'aider à construire tes solos et à penser sous forme de phrases qui ont un début et une fin, comme je te disais. Ensuite, tu mélanges toutes les positions et tu t'amuses. Voilà, et tu peux commencer par faire cet exercice et petit à petit faire de moins en moins le riff et partir sur une impro et t'amuser totalement après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle que tu as un lien vers la tablature en description. Et moi, je te vois dans la prochaine vidéo. Salut !